Bon, votre parole apparaît, oui, lui-même. Ok. Mon cap garde mon la caméra. Qui ça pour manger? Ça va? Est-ce que sont bon? C'est bon maintenant. Figurant, cheveux, nous bon. Ok, très bien. Test 1, test 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Ok, est-ce que tu es un acheteur de Port-au-Prince? Est-ce que tu es un acheteur de Port-au-Prince? Tu es un acheteur de Port-au-Prince? Tu es un acheteur de Port-au-Prince? Moi, bon. Ok, est-ce que tu es le Guinée de Port-au-Prince? Très bien. Est-ce que Caraïbe est un de Port-au-Prince? Mais ok, on m'entend à Port-au-Prince. Caraïbe là? Caraïbe est un de Port-au-Prince? Bah ouais, Caraïbe. RNH, RNH, moi, bon? Et là, je fais pour OK. Caraïbes. Moi bon? Bon? OK. Non, il va passer à la Allez, maestro, bamadel. Prise nouvelle lame bamadel. OK. Vous parlez? Attends deux fois. Oui, prise nouvelle lame bamadel. Dio pose nouvelle là et commence à briller. Flash. Bon père pour nous jouer. Bon père et Onion. Bon père Onion. Ok. Ok. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous saluons tout le monde la presse qui avec nous la journée. Jeudi, nous disons bienvenue dans le point de presse que nous avons fait dans New York City dans le cadre de la participation du président Jovenel Moïse dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Non, PAM, c'est Martine Denis Chandler, moi c'est porte-parole président Jovenel Moïse. Eh bien, je nous connais là, président Jovenel Moïse, il est arrivé depuis dimanche dans New York City pour participer dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne jeudi à point de presse là pour aller concentrer sur l'action officielle président Jovenel Moïse fait hier, mardi 25 septembre. Eh bien, nous avons dit, sous invitation président Donald Trump, il était par président Jovenel Moïse, t'es participé dans conseil de sécurité contre la prolifération nucléaire, chimique et bactériologique. Mais une activité plus importante que président Jovenel Moïse t'es réalisé hier, eh bien, c'était participation dans Concordia annuel summit côté l'été fait une intervention sous thème préparation au désastre dans le développement d'Haïti. Durant l'intervention, ça, président Jovenel Moïse, eh bien, il était présenté tout effort qu'a fait dans le pays d'Haïti pour augmenter la capacité dans les affaires risques à désastre. C'est ainsi qu'il était expliqué que un cadre légal qui élaboré pour renforcer, nous avons dit, la capacité gestion risque et désastre dans le pays d'Haïti. Côté cadre, ça lui-même, eh bien, la permettre que de transformer direction protection civile là, qui sont direction technique
en yon direction générale, ainsi direction protection civile, abtonnen direction générale protection civile. Dans le cadre d'intervention, ça a tout, président Jovenel Moïse te expliqué que gen 5 stations hydrométéorologiques que yon installé dans 5 rivières dans le pays d'Haïti. Il te expliqué tout que gen 7 stations sismologiques que yon mette sous des failles qui gros et qui piti dans la zone sud et dans la zone nord pays d'Haïti. C'était occasion tout pour président Jovenel Moïse dans l'intervention dans le cadre sommet ça présenter politique environnementale qui chita sur deux aspects prioritaires. Yon nan premier aspect yo c'est programme électrification nationale pays d'Haïti côté c'est à base de nous gen doit dire énergie propre, énergie verte, énergie renouvelable que nous pral produit courant dans pays pa nou à partir de soleil, à partir de vent, à partir de l'eau et à partir de biomasse. Yon nan l'autre aspect politique environnemental là, eh bien c'est programme reboisement national là côté président Jovenel Moïse expliquait, eh bien gen 14 centres de germoplasme qui pral créer pendant que li président, mais li gen tan dit tout que gen 3 qui gen tan créer et gen 3 l'autre qui en cours. Donc ça c'était participation l'an sommet ça. Nous gen doit dire que journée entière poursuivre avec une rencontre avec John G. Sullivan qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. Il était participé de tout, n'a parlé de président Jovenel Moïse, il était participé de tout dans une table ronde d'une haute importance sous choléra. Côté président Jovenel Moïse, il était rappelé dans table ronde ça quantité monde malheureusement qui était affecté par maladie ça dans pays d'Haïti, quantité monde tout qui était mort dans pays pa nou à cause de maladie ça. Mais durant l'intervention, il n'a pas traité sous ça seulement. Il était parlé de nécessité pour renforcer la prise en charge du choléra dans les institutions qui offrent service ça. Il était parlé tout de nécessité pour faire de l'autre action dans certains domaines bien précis. Par exemple, la construction de 122 centres communautaires de santé. Par exemple, la nécessité d'augmenter l'accès à l'eau potable. Nécessité tout pour multiplier interventions agents de santé au PIA et aussi pour faire plus sensibilisation dans l'affaire choléra. Donc, c'est quelques domaines que vous devez renforcer pour lutter contre choléra dans le pays d'Haïti. Et pour réaliser ça, le président Jovenel Moïse a fait appel à solidarité internationale en sollicitant 390 millions de dollars comme aide financière pour essayer de résoudre le problème choléra dans le pays d'Haïti. Nous avons dit que Ayeto, président Jovenel Moïse, a participé à la réception que Center for Global Health and Diplomacy t'a offert. Journée jeudi, c'est mercredi 26 septembre. Et journée a été bien commencé pour président Jovenel Moïse, côté il a participé à la Bloomberg Global Business Forum, qui sont coquine rencontre qui fait avec monde qui prend décision dans le secteur privé et dans le secteur public, surtout sous nécessité pour un partenariat entre deux secteurs saillants. Eh bien, qui thème session que président Jovenel Moïse a participé là-dedans, c'était construire des économies résilientes et préserver les écosystèmes marins dans les pays côtiers du Commonwealth et Haïti. Après ça, président Jovenel Moïse a fait une rencontre très importante avec directrice générale Fonds monétaire international qui c'est Christine Lagarde. Avec Christine Lagarde, président Jovenel Moïse a discuté de réduction pauvreté dans le pays d'Haïti et puis tout de nécessité pour faire promotion en croissance inclusive. Ou croissance inclusive, ça veut dire qui ça? Eh bien, ça veut dire une croissance qui a mis tout le monde là-dedans, que tout le monde a profité de richesses qui a développé. Après rencontre avec directrice générale Fonds monétaire international, qui c'est Christine Lagarde, président Jovenel Moïse a rencontré tout. Président BID, qui c'est Luis Alberto Moreno. Durant rencontre ça avec M. Moreno, président Jovenel Moïse a parlé des projets sociaux, nécessité pour financer les projets sociaux et nécessité tout pour financer des grands projets d'axe de développement du pays. C'est déjà, nous avons droit à dire, activité qui fait journée aujourd'hui. Mais je nous connais, je m'annonce hier, qu'aucune chaîne d'activité tout qui prévu dans l'agenda président Jovenel Moïse, la fête entre 6h et 9h du soir, journée jodia, salier, c'est la rencontre avec la communauté haïtienne de New York. Donc, côté président Jovenel Moïse, eh bien, il pral passer 3h de temps avec haïtiennes et haïtiennes dans la diaspora, dans New York City. Côté il pral parler de vision, de réalisation et de perspective pour Haïti.
mais aussi de salive les faits et qui j'en lirai intégration diaspora dans le développement économique pays noir. Nous remercions en pile de l'attention. L'autre grand rendez-vous, c'est demain, jeudi 27 septembre, où le président Jovenel Moïse sera à la tribune des Nations Unies. Merci encore.